Laurent Mestret est à la tête des apprentis aventuriers. L'ancien candidat s'est fait une place dans le milieu du divertissement, il a d'ailleurs évoqué son absence à l'émission Fort Boyard depuis 3 ans. Après son apparition dans Top Chef, Laurent Mestret est de retour sur petit écran en 2024. Lundi 22 janvier, le vainqueur de Koh-Lanta a lancé la 7e saison de l'émission Les Apprentis Aventuriers. Passionné par les programmes de divertissement, Laurent Mestret a participé à de nombreuses émissions depuis 2011, passant par les plateaux de danse avec les stars, Le Meilleur Pâtissier ou encore Ninja Warrior. Mardi 23 janvier, il a confié au micro de Télévision Magazine que la production de Fort Boyard ne le contactait plus, alors qu'il avait participé plusieurs fois au jeu animé par Olivier Mine. Ils ne veulent plus de moi, Laurent Mestret évoque ses soupçons envers Fort Boyard entre 2015 et 2021, Laurent Mestret enchaîne les participations à Fort Boyard. Après 6 passages dans le domaine du père Foura, l'animateur n'a pas été rappelé par la production depuis 3 ans. Invité sur le plateau de Télévision Magazine, le mannequin a expliqué, « J'ai l'impression qu'il me boycotte. » L'ancien candidat de Koh-Lanta avait été accusé d'avoir triché lors de son dernier passage dans l'émission animée par Denis Brognard. Par conséquent, aucun gagnant n'avait été annoncé lors de la saison 2021. Théa Youra avait été exclue pour avoir réclamé de la nourriture aux pêcheurs, tandis que des rumeurs de dîners clandestins avaient visé Claude et Laurent. L'émission de Fort Boyard étant gérée par la même production que Koh-Lanta, la journaliste a questionné Laurent Mestret sur sa relation avec le groupe depuis les accusations de tricherie, il se défend avec humour, Claude est revenu, Théa Youra est revenu, il y a eu plein de candidats, mais moi ils ne veulent plus de moi. Je crois que j'étais trop bon dans les épreuves, je n'aille jamais été en froid, je n'aille pas triché, si est-il important de le préciser. Point rancune ou simple oubli? Laurent Mestret semble pourtant prêt à retourner au fort. Un peu à la Denis Brognard, ce geste que Laurent Mestret a tenté de gommer pour la nouvelle saison des apprentis aventuriers à la tête des apprentis aventuriers depuis 3 ans, Laurent Mestret a tenté de perfectionner son rôle d'animateur en travaillant davantage sur sa posture et sa voix, en revisionnant les saisons précédentes. Au micro de télé 2 semaines, il a d'ailleurs confié qu'il avait tenté de gommer un réflexe, « Je voulais absolument changer une position de bras. Je trouvais que je les tenais toujours pareil », explique-t-il, avant d'ajouter, « Amusé, je les trouvais toujours un peu à la Denis Brognard. Et je voulais absolument éviter de tout faire comme lui ».